Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, une CNC arrive dans l'atelier. Alors, tout d'abord, je voulais remercier le groupe Voisin et Weimer Europe qui m'ont envoyé cette CNC. C'est une vidéo sponsorisée. On va la déballer et on va la découvrir ensemble. Bien, bon, ça y est, c'est déballé, c'est sorti de la palette. Moi, je l'ai installée sur ma remorque pour pouvoir la bouger parce qu'après, elle ira quelque part dans l'atelier avec un support. C'est du lourd, hein. 170 kilos, hein. On était à 4 pour la porter, pour la mettre là-dessus, hein. C'est un gros bâti en fonte avec des règles de 20 mm de guidage. Tout ça, c'est très, très rigide, ce qui fait que c'est une grosse masse, mais il y a de la rigidité. On verra plus tard pour les usinages, ça doit éviter tout ce qui est vibration, tremblement. C'est une sacrée machine. Bien, bien costaud. Donc là, tant que je vous parle de la machine, je vais vous parler de quelques caractéristiques. Donc, elle est livrée, bien sûr, avec son coffret CN, où là, on a les trois variateurs d'axe plus le variateur de broche. Elle est pilotée ici par un petit boîtier. On a juste besoin de ce petit boîtier de contrôle ici, où là, on va pouvoir venir, vous verrez plus tard, déplacer les axes, venir faire notre origine. Et à la suite de ça, on viendra ici mettre une clé USB avec notre programme qui est en G-code, donc qui vient de n'importe quel logiciel, hein, Aspire, SolidWorks, etc. Enfin, il y a énormément de logiciels sur le net. Et à la fin, on vient faire notre origine et on lance notre programme. Donc, on verra ça juste après. Donc là, ici, elle est livrée aussi avec l'Aspi et ce petit système qui va venir aspirer tous les copeaux. Bon, une caisse avec quelques outillages, quelques fraises et le bridage. Donc ici pour la machine, moi c'est la 0609 mini ou 609 mini comme vous voulez. Elle fait 600 par 900 pour les courses et 100 mm de haut pour l'axe Z. La broche, qui est une broche de 1,5 kW, elle peut tourner jusque 24 000 tours. C'est pour ça qu'on a un système de refroidissement, parce que avec cette vitesse, bah, il faut refroidir obligatoirement la broche. Et ensuite,
Les vitesses de déplacement, bah celle-ci, elle peut aller jusqu'à 6000 mm/min. Mais de toute façon, là, on va continuer. Je vais continuer à brancher mon groupe 3, faire mes réglages de ma table et on se retrouve juste après pour faire le premier déplacement. Voilà, petit tour d'horizon de la machine. Donc, comme vous voyez, on a tous les axes de broche avec ici la platine qui vient tenir le portique avec son guidage linéaire ici de chaque côté. Donc, la partie CNC, comme vous pouvez voir ici, on a son petit coffret avec l'ensemble des variateurs ici et le variateur de broche avec les alim. On retrouve cette petite télécommande juste ici. Et comme vous voyez, avec le guidage, avec le double guidage ici à billes, eh ben, on a toute la rigidité de la machine. Avec son groupe froid ici qui permettra de réguler la température de la broche. Et comme vous pouvez voir ici, voici le dessous de la machine avec ce bâti complètement rigide. Voilà, allez, on continue, on va faire son premier démarrage. Bien, bon, ça y est, donc je l'ai mis sous tension, on a l'arrêt d'urgence ici à déverrouiller, on arrive en appui, ça y est, la machine est sous tension. La première chose qu'elle nous demande, bien sûr, c'est de prendre son origine. Pourquoi? Pour se repérer dans l'espace, parce que là, la machine a été arrêtée à un endroit donné, tout ça, elle ne le sait plus, donc elle va venir sur des butées, ici, sur tous les capteurs, les trois capteurs, pour venir prendre cette position. Et comme ça, on aura le zéro de la machine. Donc là, on va démarrer ça en Z, en Y et en X. Et là, on remarque bien que ça y est, la machine a trouvé ses zéros. Elle est venue se positionner ici. C'est le zéro de la machine en X, Y et Z. Donc là, après, manuellement, on peut la bouger pour la dégager des axes. Et ensuite, là, lorsque je montre un outil, bah, il y a toute une procédure à faire ici avec son capteur pour pouvoir venir mettre sur la plaque, mettre son zéro. Ça fera partie d'une autre vidéo. Je vous expliquerai les premiers pas avec une CNC. Là, moi, ça y est, j'ai mis sous tension, etc. Donc là, la machine, ça y est, elle répond super bien. Ce que je vais faire un support. Pareil, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Je remercie encore une nouvelle fois Weimer et Wanzhang de m'avoir envoyé cette CNC. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!